Bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau tutoriel de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous présente un pas à pas pour réaliser cette jolie écharpe japonaise. Donc un très joli motif, très agréable à crocheter avec un très beau résultat à la fin. Il existe plusieurs diagrammes sur internet qui présentent différents motifs pour réaliser ce type d'écharpe. Donc j'en ai reçu quelques-unes de la part des membres de la communauté Création Atelier LJJ sur Facebook. Merci beaucoup pour toutes vos suggestions. Donc j'ai choisi de vous réaliser celui-ci au début pour celles qui voulaient comprendre mieux le diagramme ou avoir une vidéo pour leur permettre de mieux maîtriser la lecture du diagramme de cette écharpe. Donc le diagramme, je vais le mettre sur, bien sûr, le blog atelierljj.blogspot.com pour pouvoir suivre donc pas à pas la réalisation de cette écharpe. Donc si vous êtes débutante, peut-être que le projet va vous paraître un peu compliqué, mais non, soyez pas intimidé par le projet. Il est très facile à réaliser. C'est des brides, des doubles brides, donc que vous allez faire des rangées qui vont se répéter jusqu'à la fin. Et si vous suivez la vidéo, donc vous allez pouvoir être capable de réaliser cette jolie écharpe. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Comme ça, vous allez continuer à recevoir toutes nos nouveautés et toutes les vidéos qu'on met en ligne pour nos tutoriels. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre communauté sur Facebook, Atelier LJJ, pour partager avec nous vos réalisations, vos commentaires et vos suggestions. Donc, pour cette écharpe qui mesure 180 cm, j'ai utilisé une laine un peu grosse. Donc, c'est une écharpe quand même assez épaisse, une écharpe pour l'hiver. Deux pelotes de 100 grammes, 183 mètres, c'est une médium 4, donc une laine un petit peu épaisse que j'ai crochetée avec un 6 mm. Ça m'a permis donc les deux pelotes d'obtenir une écharpe de 180 cm comme j'ai dit. Maintenant vous pouvez utiliser n'importe quelle laine que vous choisissez. L'essentiel c'est d'adapter votre crochet à votre laine pour obtenir le meilleur résultat. Donc sans trop tarder, je vais vous laisser avec le pas à pas. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous inspirer pour vos futurs crochets. Alors nous allons commencer notre écharpe en faisant une chaînette de 5 mailles. Un, deux, trois, quatre et cinq. Et nous allons travailler dans la première maille de cette chaînette. Les 4 mailles qu'on va laisser de côté sont comptées pour une double bride. Donc dans cette première chaînette, on va faire 8 doubles brides. Je vais faire 2 jetés sur mon crochet. J'insère mon crochet dans la première maille. Je tire. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je le passe à travers les deux premières boucles. Un jeté, je le passe à travers les deux boucles suivantes. Un jeté et je le passe à travers les deux dernières. Donc c'est ma première double bride dans la première maille. Je vais en faire 7 autres. Donc 2 jetés sur mon crochet. J'insère, je tire, jeté. Je passe à travers les deux premières boucles, jeté, je passe à travers les deux boucles suivantes, jeté, je le passe à travers les deux dernières boucles. Et je continue à faire mes doubles brides jusqu'à ce que j'aille 8 doubles brides plus les 4 mailles en l'air que j'avais laissées au tout début. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 doubles brides plus les 4 mailles en l'air que j'ai laissées de côté, donc 9 en totalité pour commencer cette écharpe.
Alors, pour commencer notre deuxième rangée, on va faire 4 mailles en l'air pour commencer. 3, 4. Ces 4 mailles en l'air sont comptées pour une double bride. Je tourne. Dans la même maille, je fais une double bride. Donc, avec la même technique que j'ai expliquée au début, je fais une double bride dans la toute première maille. Et je vais continuer tout au long de la rangée à faire 2 doubles brides dans chaque maille. Donc, maille suivante, je fais une double bride. Dans la même maille, je fais la deuxième double bride. Et je fais la même chose pour chaque maille. 2 doubles brides dans chaque maille. Donc à la fin de votre rangée, vous allez compter 17 doubles brides plus les 4 mailles en l'air du début de rangée. Donc une totalité de 18 mailles pour cette rangée. Alors dans chaque maille, 2 doubles brides. Et j'arrive à la fin de ma rangée. Donc les deux dernières doubles brides, on va les faire dans les 4 mailles en l'air de la rangée d'avant, donc la quatrième maille, je fais 2 doubles brides dans cette quatrième maille. La dernière double bride dans la même maille. Et donc en faisant le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 qui est les 4 mailles en l'air du début. Donc 18 mailles en totalité. Pour la rangée d'après, je vais commencer maintenant avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ces 5 mailles en l'air sans compter pour une bride plus 2 mailles en l'air. Donc les 3 mailles sans compter pour une bride et 2 mailles en l'air. Alors je vais tourner mon travail. Je saute la première, je ne travaille pas dans la toute première maille, ni dans la deuxième, je vais directement dans la troisième et je fais une bride. Donc on ne travaille plus avec les doubles brides, mais uniquement avec les brides à partir de cette rangée. Je fais par la suite 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute une maille, dans la maille suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute une maille, dans la maille suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, je fais une bride. Et je continue le même schéma jusqu'à la fin de ma rangée. Donc 2 mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille suivante. 2 mailles en l'air, je saute une maille, une bride dans la maille suivante. 2 mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille suivante. Et là, j'arrive aux 4 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et une bride dans la quatrième maille de ces mailles en l'air. Alors, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides, plus les 3 mailles en l'air du début avec les 2 mailles en l'air, sans une bride, plus 2 mailles en l'air. Donc, vous allez avoir 9 mailles en totalité. 8 brides plus les mailles en l'air du début. Alors, on va maintenant commencer notre rangée suivante. Je vais commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2,
3 et 4. Je tourne. Et pour cette rangée, je vais travailler uniquement dans les espaces. Donc, dans le premier espace, je fais 2 brides. 1 et 2. Alors, j'ai commencé avec 4 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace suivant. Suivi d'une maille en l'air, dans l'espace suivant, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace d'après, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Et je vais continuer dans le même schéma, donc une maille en l'air, 3 brides dans l'espace. 2 et 3. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace. Une maille en l'air et j'arrive donc au dernier espace de ma rangée. C'est les 5 mailles en l'air que j'avais faites au début de la rangée précédente. Donc dans l'espace, je fais 2 brides. 1, 2 et ma troisième bride, je vais la faire sur la troisième maille en l'air de la rangée d'avant. Donc une bride pour terminer cette rangée. On va passer maintenant à la rangée d'après, qui va être la dernière rangée pour cette partie, pour qu'on commence donc l'éventail, les éventails qui vont présenter notre écharpe. Alors pour cette rangée, je vais commencer par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne. Alors, je ne vais pas travailler dans la première maille. Je vais sauter la deuxième. Je vais aller à la rangée, à la maille suivante. Et je vais faire une bride. Par la suite, le schéma que je vais recommencer donc tout au long de cette rangée. 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais à la bride suivante, donc je saute l'espace, je vais à la bride suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute la bride suivante dans la maille d'après, je fais une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, je saute l'espace, je vais à la bride suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air, je saute la maille, je vais à la bride suivante, je fais une bride. Alors, c'est une rangée de brides séparées de 2 mailles en l'air. Et donc, vous devez avoir une bride sur la première bride de votre groupe de 3 brides de la rangée d'avant. Donc, une bride sur la première et une bride sur la dernière. Séparées toujours de 2 mailles en l'air. Donc, 2 mailles en l'air. Je saute l'espace, je vais à la première bride du groupe, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute la bride du milieu et je vais vers la dernière bride du groupe, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute l'espace, je fais une bride sur la première bride du groupe. 2 mailles en l'air. Je saute la bride du milieu et je fais une bride sur la bride suivante. Et je continue donc tout au long de ma rangée.
deux mailles en l'air. Je saute une bride, je fais une bride sur la maille suivante. Deux mailles en l'air, je saute l'espace, je fais une bride sur la première maille. Deux mailles en l'air, je saute la bride du milieu et je fais une bride dans la maille suivante. Deux mailles en l'air. Alors, deux mailles en l'air et la dernière bride de la rangée, je vais la faire sur la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors, j'ai terminé la première partie de mon écharpe, donc le premier éventail. Ce motif-là, on va le voir sur toute l'écharpe. Maintenant, on va voir comment on va passer d'un éventail à un autre pour pouvoir effectuer la suite et faire l'écharpe en longueur. Alors pour la suite de mon écharpe, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors je vais tourner mon premier éventail. Je vais aller à la bride suivante. Donc je vais sauter l'espace et dans la bride suivante, je vais faire 9 doubles brides. 1, toujours dans la même maille. 2, 3, donc on travaille avec des doubles brides. 4, 5, 6. 7, 8 et 9. Alors 9 doubles brides pour commencer le deuxième éventail de notre écharpe. Maintenant, on a travaillé sur cette bride. On va sauter la bride suivante. Et dans cet espace, je vais faire une maille coulée. Alors, je répète avec vous. J'ai travaillé les 9 doubles brides sur la première bride. Je saute l'espace. Je saute la bride suivante. Et dans l'espace d'après, je fais une maille coulée. Alors, je vais maintenant pouvoir commencer la deuxième rangée de cet éventail. Alors pour cette deuxième rangée, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais sauter cet espace, sauter la bride et aller dans l'espace suivant. Je fais une maille coulée dans l'espace suivant. Donc 3 mailles en l'air, je saute la bride dans l'espace suivant, je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. Dans la première double bride de la rangée d'avant, je vais faire une double bride. Et dans chacune des mailles suivantes, je fais deux doubles brides dans chaque maille. Donc, un. Et dans chaque maille, donc dans la même maille, je fais la deuxième double bride. Même chose. Deux doubles brides dans la maille suivante. Deux doubles brides dans la maille d'après. Alors toujours dans nos éventails, les deux premières rangées sont travaillées avec des doubles brides. Après ça, on continue avec des brides. Deux doubles brides
dans la dernière maille. Alors nos deux dernières doubles brides sont faites sur la dernière maille. On ne travaille pas sur les trois mailles en l'air qu'on avait faites au début, car elles ne sont pas comptées pour une double bride ou une bride, mais ils sont là pour nous permettre de retourner notre travail et terminer et commencer, entamer notre deuxième éventail. Donc les deux dernières doubles brides sont faites sur la dernière double bride de la rangée d'avant. Alors maintenant, on va commencer la rangée suivante. Alors je la commence avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors 5 mailles en l'air qui sont comptées pour une bride plus 2 mailles en l'air. Alors je tourne mon travail et je commence la rangée suivante. Alors après mes 5 mailles en l'air, je vais compter 3 mailles à partir de la première, donc 1, 2, 3, et dans la quatrième, je fais une bride. Donc je ne travaille pas la première, je saute les deux suivantes, et dans la bride d'après, je fais une bride. Suivie de 2 mailles en l'air, je saute une maille et je fais une bride dans la maille d'après. 2 mailles en l'air. Je saute une bride, je fais une bride dans la maille d'après. 2 mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Et je continue de cette manière. 2 mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. 2 mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille d'après. Là, j'arrive à la fin de ma rangée. Donc je vais faire 2 mailles en l'air et la dernière bride de cette rangée, je vais la faire dans la maille en l'air de la rangée d'avant. Donc vous vous rappelez, on avait fait 3 mailles en l'air, une maille coulée puis une maille en l'air pour tourner notre travail afin de continuer notre rangée. Donc dans cet espace, je fais une bride. Suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2. Et maintenant, je vais aller sur l'éventail précédent, je vais sauter la bride et dans l'espace suivant, je fais une maille coulée. Alors, j'ai sauté la bride, dans l'espace, je fais une maille coulée et je vais pouvoir maintenant commencer la rangée suivante. Alors, une fois arrivé à la fin de votre rangée, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on va sauter la bride, aller sur l'espace d'après, faire une maille coulée. Une maille en l'air, je tourne. Dans le premier espace, je vais faire 2 brides. 1, 2. Une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, je fais 3 brides. 1, 2, et 3. Une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, je fais 3 brides. Et je vais continuer donc tout au long de ma rangée, une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air. Trois brides. Une maille en l'air. Trois brides. Dans l'espace toujours. Donc je répète les mêmes rangées que ce que j'ai fait avant dans le premier éventail. Une maille en l'air. Je fais 2 brides dans le dernier espace et la troisième bride, je la fais sur la troisième maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Et je vais entamer maintenant la dernière rangée de cet éventail.
Alors, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et je tourne. Je vais sauter la bride suivante et aller dans la bride d'après. Je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute l'espace. Je vais dans la première bride. Je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute la bride du milieu. Dans la bride suivante, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je saute l'espace. Je vais dans la première bride du groupe des 3 brides. Je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je fais une bride. Je saute une bride et je fais une bride dans la bride suivante. 2 mailles en l'air. Une bride dans la première bride du groupe de la rangée précédente. 2 mailles en l'air, je saute une bride, je fais une bride dans la rangée, dans la bride d'après. Alors, je continue comme ça jusqu'à la fin de ma rangée. 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, une bride. Deux mailles en l'air. Alors, lorsque j'arrive au dernier groupe, j'ai les 2 brides. J'ai fait la première bride sur la première bride du groupe, 2 mailles en l'air, et la dernière bride de la rangée, je vais faire dans l'espace, donc la maille en l'air que j'avais faite en début de rangée. Et je vais aller sauter la bride de l'éventail précédent. Dans l'espace, je fais une maille coulée. Et j'ai terminé mon deuxième éventail. Alors, comme j'ai dit, à partir de maintenant, c'est le schéma qu'on va répéter. Et la différence, c'est toujours les mêmes rangées qui se répètent. Mais à la différence des éventails d'avant, celui-là va avoir un attachement des 2 côtés. Donc, sur le dernier éventail que vous avez fait et le précédent. Donc, comme vous avez vu pour le deuxième, on avait toujours un attachement avec le premier. Lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, on fait des mailles coulées pour qu'ils soient attachés avec l'éventail précédent. Par la suite, donc les éventails que vous allez faire par la suite vont avoir donc des mailles coulées qui les lient à l'éventail précédent et d'autres mailles coulées avec l'éventail d'après. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir donc une écharpe à la longueur pour pouvoir terminer nos éventails. Alors, on va le voir pas à pas. Donc, on va commencer toujours et je répète à partir de maintenant. C'est le schéma que vous allez répéter tout au long de la longueur de votre écharpe. Alors, je fais une maille en l'air. Je tourne. Il est important de commencer votre travail. La première rangée doit être faite sur le dernier éventail que vous avez terminé. Donc, n'allez pas sur l'éventail d'avant, sur le dernier éventail que vous avez terminé. Donc, vous sautez une bride. Et dans la bride suivante, vous allez faire 9 doubles brides. 1, 2, 3. Donc, comme j'ai dit, les 2 premières rangées sont toujours en double bride. 4, 5, 6, 7. 8 et 9. Donc 9 doubles brides pour commencer. Après ça, donc je vais sauter la bride suivante. Donc je vais sauter déjà cet espace, les 2 mailles en l'air, plus la bride, plus cet espace. Et dans la bride d'après, je vais faire une maille coulée. Alors, je répète juste pour être sûr que j'ai bien expliqué. J'ai les 2 mailles en l'air.
la bride, troisième maille, les deux mailles en l'air. Et dans la bride suivante, je fais une maille coulée. Je fais par la suite 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, pardon, pas 4. Je rectifie 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et je fais sur la bride d'après, je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Je tourne. Dans la toute première bride, double bride de la rangée d'avant, je fais une double bride. Et je vais faire deux doubles brides sur chaque maille. Donc deux doubles brides. Donc c'est le même schéma, sauf que on ajoute donc l'attachement aux éventails d'avant et l'éventail précédent, pardon, et l'éventail d'avant. Mais c'est toujours les mêmes rangées qu'on répète. Alors, deux doubles brides dans chaque maille. Vous devez à la fin avoir 17 doubles brides plus l'espace qu'on a eu, la maille en l'air qu'on a eu au début qui va compter pour une double bride, donc qui nous donne l'espace d'une double bride. Je fais mes deux dernières doubles brides dans la dernière maille de la rangée d'avant avec une totalité de 17 pardon, doubles brides. 17 doubles brides. Donc maintenant, je vais attacher la dernière boucle sur mon crochet avec l'éventail d'avant. Donc le tout premier éventail que j'avais fait. Je vais sauter cet espace. La bride aussi. Dans l'espace d'après, je fais une maille coulée. Alors, j'ai sauté l'espace, la bride, et dans l'espace d'après, je fais une maille coulée. Je fais par la suite 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute la bride et l'espace, et je vais dans la bride d'après, je fais une maille coulée. Alors, pour savoir où est-ce qu'on attache, je vais juste vous donner une petite astuce que j'utilise pour ne pas être confus sur l'emplacement, donc pour faire la maille coulée. Par exemple, ici, j'ai fait 3 mailles en l'air et je vais juste défaire pour vous montrer. Alors, j'étais sur cet espace. J'ai la bride qui compte pour une maille et l'espace pour 2 mailles. Alors, je vais faire 3 mailles. 1, 2, 3. Les 3 mailles en l'air. Donc, je dois sauter 3 mailles dans cette partie. Donc, la bride et les 2 mailles en l'air. Donc, la maille coulée doit être sur la bride suivante. Et ça va être comme ça. Donc, à chaque fois que vous voulez faire la maille coulée pour attacher l'éventail que vous êtes en train de faire avec les rangées précédentes. Alors, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2 et je tourne. Alors maintenant, je vais commencer à travailler avec des brides uniquement. Alors après mes deux mailles en l'air, je saute les deux premières doubles brides de la rangée. Je vais sur la troisième, je fais une bride. Après ça, je fais deux mailles en l'air. Je saute une maille et je fais une bride dans la maille suivante. Donc c'est uniquement au début qu'on saute les deux mailles. Après ça, on saute juste une maille. Deux mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille suivante. Deux mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride dans la maille suivante. Deux mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride sur la maille suivante. Et je continue jusqu'à la dernière maille de la rangée.
Alors, deux mailles en l'air. Je saute une maille et je fais la bride sur la dernière maille, suivie de deux mailles en l'air. Et je vais maintenant l'attacher à l'éventail suivant. Donc, j'avais l'attachement avec cette bride. Je saute la maille, les deux, les espaces, et je vais sur la bride suivante. Je fais une maille coulée. Après ça, je vais pouvoir commencer maintenant ma rangée suivante. Donc, je commence avec trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Je saute l'espace et la bride. Donc, comme j'ai dit, deux mailles plus une, les trois mailles en l'air. Dans l'espace suivant, je fais une maille coulée. Je fais par la suite une maille en l'air et je tourne. Et maintenant, je vais travailler uniquement dans les espaces. Donc, dans le premier espace, je vais faire deux brides. 1 et 2. La maille en l'air que j'ai faite au début est comptée pour donc une maille pour cette rangée. Je fais par la suite une maille en l'air, je vais dans l'espace d'après, je fais trois brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, je fais trois brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, je fais trois brides. Donc, c'est le même schéma. Les seuls changements qui interviennent à cette partie de l'écharpe, c'est vraiment comment attacher les deux bouts aux éventails d'avant. Une maille en l'air, trois brides dans l'espace. Trois. Une maille en l'air, trois brides dans l'espace. Deux. Et 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace, 2 et 3, une maille en l'air, j'arrive à l'espace suivant, je fais 3 brides. Alors c'est une répétition, c'est pour ça que je vais rapidement, parce que finalement on répète le même schéma que les éventails d'avant. Une maille en l'air, je vais dans le dernier espace de ma rangée et je fais mes trois dernières brides. Et bien sûr, une fois arrivé au bout de la rangée, je dois l'attacher à l'éventail d'après. Alors, on sait qu'une bride compte pour trois mailles en l'air. Alors, je vais sauter l'espace, les deux mailles en l'air, la bride. Et dans l'espace suivant, je fais une maille coulée. Donc, je compte 3 mailles. 2 mailles en l'air plus la maille de la bride. Et dans la maille d'après, donc, je fais ma maille coulée. Je vais maintenant commencer la dernière rangée de cette partie. Pour ma dernière rangée, je vais commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais sauter la bride et aller dans l'espace suivant pour faire une maille coulée. Après ça, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je tourne. Je vais sauter les deux premières brides et je vais aller sur la troisième. Donc, dans le groupe des 3 brides, des 3 premières brides, je travaille uniquement dans la dernière. Je fais une bride. Suivi de 2 mailles en l'air. Je vais sur le groupe suivant, donc je fais une bride sur la première, deux mailles en l'air, une bride sur la dernière. Deux mailles en l'air, une bride sur la première, deux mailles en l'air, une bride sur la dernière. Et je continue donc de la même manière tout au long de ma rangée. Une bride sur la première, deux mailles en l'air, une bride sur la dernière, deux mailles en l'air, une bride sur la première. Donc c'est la même chose que ce qu'on a fait pour le premier et le deuxième. On termine toujours par cette rangée, deux mailles en l'air, une bride.
Alors, deux mailles en l'air. Je vais sur la première bride du groupe. Je fais une bride. Deux mailles en l'air. Je saute une maille et je vais sur la dernière. Je fais une bride. Deux mailles en l'air. Une bride. Deux mailles en l'air. Une bride. Alors, deux mailles en l'air. J'arrive à la fin de ma rangée. Donc, je fais une bride sur la toute première maille, suivie de deux mailles en l'air. Et je fais ma dernière maille. Donc, je saute la dernière bride et dans cet espace, je fais ma dernière bride de la rangée. Et je vais attacher donc la dernière boucle sur mon crochet avec l'éventail précédent. Alors, je vais sauter l'espace et aller sur cette bride et faire une maille coulée. Alors là, ça termine cette partie de mon écharpe. Alors maintenant, lorsque je vais commencer à travailler, là, c'est le dernier éventail que j'ai fait. Les prochaines 9 doubles brides vont être sur cette partie-là. Donc, je vais commencer mon travail sur cet éventail et au fur et à mesure que j'avance, je vais l'attacher à l'éventail précédent et je vais continuer de la même manière. Donc c'est ce schéma là que je viens de faire avec vous à partir des 9 doubles brides que vous allez répéter tout au long de votre travail. Donc je vais juste commencer avec vous l'éventail suivant pour être sûr donc que j'ai bien expliqué les choses. Donc je fais toujours une maille en l'air. Et jusqu'on tourne notre travail, on s'assure bien qu'on va commencer le travail sur le tout dernier éventail que nous avons terminé. Donc, j'ai terminé cet éventail en dernier. C'est avec sur cette rangée que je vais commencer le travail. Je saute la bride, je vais dans la bride suivante, je fais 9 doubles brides. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 et 8 et je termine avec la 9e double bride. Alors, je vais sauter l'espace et la bride et je vais faire une maille coulée dans l'espace d'après pour attacher donc ma rangée aux deux éventails. Maintenant, je commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, je saute la bride et les deux mailles en l'air et je fais une maille coulée sur la bride suivante. Je fais une maille en l'air et je tourne. Donc, je fais une maille en l'air pour que ça facilite, pour que je puisse tourner le travail et commencer la rangée. Et ça compte aussi donc comme la maille que va faire la première double bride de ma rangée. Donc je fais une double bride sur la première et sur les autres mailles, donc sur chacune, je fais 2 doubles brides. 1 et 2. Sur la bride suivante, la maille suivante, 2 doubles brides. Sur la maille suivante, 2 doubles brides. Deux doubles brides sur la maille d'après. Et je continue donc jusqu'à la dernière bride. Comme j'ai dit, pour vous assurer que vous faites bien le travail, comptez ces deux premières rangées. Donc, vous devez avoir 17 doubles brides de fait. Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et dans la dernière maille, donc je fais mes deux dernières doubles brides.
Et maintenant, je vais attacher donc cette partie-là à l'éventail précédent. Donc, je saute l'espace, la bride, l'espace, et je vais sur... Donc, j'ai compté deux mailles en l'air pour cet espace, plus la bride qui est 3, 4, 5. Donc, dans cet espace-là, je fais une maille coulée. Je saute l'espace, la bride, et dans l'espace d'après, je fais une maille coulée. Après ça, donc, j'entame la rangée suivante en faisant 3 mailles en l'air. Je saute la bride dans l'espace d'après, je fais une maille coulée et je compte 1, 2, 2 mailles en l'air. Je tourne et je commence le travail donc à partir de cette rangée pour faire la même chose qu'avant. Donc 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride jusqu'à la fin. Alors après mes 2 mailles en l'air, je vais sauter les deux. Première double bride et dans la troisième, je fais une bride. Deux mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Deux mailles en l'air, je saute une maille, je fais une bride. Deux mailles en l'air, je saute une maille et je fais une bride. Et je continue donc jusqu'à la fin de ma rangée. Je continue, comme j'ai dit, le schéma jusqu'à la dernière maille de ma rangée. Donc je fais une bride suivie de deux mailles en l'air. Et je vais aller sur la bride de l'éventail d'avant. Je vais faire une maille coulée. Par la suite, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais sauter l'espace et je vais aller sur la bride suivante. Je la saute, je vais sur l'espace d'après. Donc je saute l'espace, la bride, dans l'espace d'après, je fais une maille coulée, suivie d'une maille en l'air et je tourne. Dans le premier espace, je fais 2 brides. 1, 2. Suivi d'une maille en l'air et dans l'espace d'après, je fais 3 brides. 2 et 3. Une maille en l'air, je vais dans l'espace d'après, je fais 3 brides. Une maille en l'air, je vais dans l'espace d'après, je fais 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace d'après, je fais 3 brides. Donc, je vais répéter la même chose jusqu'à ce que j'arrive au dernier espace de cette rangée. Maille en l'air, 3 brides. Maille en l'air, 3 brides. Maille en l'air, 3 brides dans cet espace. Maille en l'air, et donc j'arrive au dernier espace de ma rangée. 1, 2 et 3. Et je vais aller donc sur l'espace d'après, donc je vais sauter cet espace, sauter la bride, et dans l'espace d'après, je fais une maille coulée. Après ça, je vais entamer la dernière rangée de mon éventail. Alors, je commence avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute la bride, je vais dans l'espace d'après, je fais une maille coulée. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je tourne. Alors je saute les deux premières brides et je vais dans la troisième, je fais une bride. Deux mailles en l'air, une bride sur la première bride du groupe des 3 brides. Deux mailles en l'air, une bride sur la dernière, deux mailles en l'air, une bride sur la première, deux mailles en l'air, une bride sur la dernière et je continue.
Donc, je vais répéter la même chose. Je vais un peu plus vite parce qu'on répète en fait la même chose, les mêmes rangées de l'éventail. Le plus important à retenir, c'est vraiment de commencer toujours dans la bride de l'éventail qu'on vient de terminer, donc dans l'éventail précédent, pour ne pas se tromper, pour garder la suite des éventails. Et aussi, donc, pensez à attacher à chaque fois que vous arrivez à la fin de votre rangée, à attacher donc avec l'éventail d'avant, avant de continuer. Donc, c'est la technique que vous devez maîtriser tout au long de cette écharpe. Sinon, pour les autres, pour les rangées, c'est les mêmes rangées qu'on a répétées depuis le début. Donc, on commence toujours par les deux rangées de double bride. Et après ça, donc là, les brides séparées, les groupes des trois brides et puis les brides séparées. Deux mailles en l'air et je fais ma dernière bride sur l'espace. Donc dans l'espace, il y a je saute la bride du milieu et je vais dans cet espace. Vu que les trois mailles en l'air que j'avais faites au début, ce sont elles qui sont comptées comme une bride. J'avais fait une maille en l'air pour me faire ce petit espace où je vais faire ma dernière bride de la rangée. Et je vais l'attacher avec la bride suivante. Pardon, l'espace suivant. Donc je saute l'espace et la bride. Je vais dans l'espace. Je fais une maille en l'air. Donc toujours compter une bride compte pour trois mailles en l'air. Je dois sauter les deux mailles en l'air et la bride avant de faire ma maille coulée. Donc trois mailles pour faire ma maille coulée. Donc on se rappelle toujours, c'est notre dernier éventail. Donc lorsqu'on fait notre maille en l'air, on tourne pour commencer. On commence sur ce dernier éventail. On compte la première bride, la deuxième, on fait nos 9 doubles brides. Donc ça va continuer comme ça. Donc on va continuer sur cette partie, elle attachée avec la bride suivante pour donner ce résultat. Alors comme vous voyez, le début de mon écharpe et puis les éventails qui vont continuer jusqu'à l'obtention de la longueur voulue pour l'écharpe. Ça donne un très joli rendu. Donc moi j'ai utilisé une laine grosse avec un gros crochet quand même 6 pour donner une écharpe d'hiver plus épaisse. Vous pouvez utiliser bien sûr une laine plus fine et un crochet adapté, ça va vous donner un beau résultat aussi. Donc j'espère que le tutoriel vous a permis de mieux comprendre le diagramme, vous a permis de découvrir ce joli motif pour réaliser cette écharpe. C'est un motif que vous pouvez utiliser dans plusieurs autres projets. Donc le plus facile c'est de faire bien sûr une écharpe parce qu'elle va sur la longueur, ça vous permet de vous familiariser plus avec ce type de crochet. Donc j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne envie de l'essayer. Moi je vais vous donner rendez-vous dans des nouveaux tutoriels très prochainement sur la chaîne Atelier LJJ. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour pouvoir recevoir toutes les nouveautés. Vous pouvez aussi donc nous joindre sur notre page Facebook Atelier LJJ et faire partie de la communauté Création LJJ sur notre groupe Facebook pour partager avec nous vos réalisations, vos suggestions, vos demandes et donc aussi vos commentaires. Donc comme ce qui s'est passé donc pour cette écharpe qui était un diagramme que les membres du groupe ont partagé et donc certains ont voulu voir le tutoriel pour pouvoir mieux lire le diagramme et faciliter sa compréhension. Donc j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous dans un futur tutoriel et je vous souhaite un très bon crochet d'ici là. Bonne journée!